Si tu veux récupérer ton téléphone, faudra venir le chercher. Je ne le referai plus jamais, je le promets, je ne le referai plus. Le temps des excuses est derrière nous.
Allez, en voiture. Attends, papa, regarde. Hop. Regarde, Robin, regarde, regarde. Dans la voiture. Papa, faut pas le jeter comme ça. Qu'est-ce qu'elle fait, maman? Elle est aux toilettes. Tu trouves ça normal? Une si grosse valise pour une seule nuit? Allez, dans le coffre. Là. Attends. C'est ça, ferme la porte. Je trouve pas les bougies. Milou, tu les as pas vues? Papa, téléphone. Non, pas maintenant. Je suis sûre que c'est encore grand-mère, on parie? Pourquoi tu dis ça? Donne. Parce qu'elle a déjà appelé ce matin. Ah oui? Et qu'est-ce qu'elle voulait? Juste savoir quel genre de pain on voulait pour le petit déjeuner. Il lui a pas répondu non plus. Ça sert strictement à rien d'appeler pour ce genre de choses. Rappelle-la, voyons. Si c'est important, elle laissera un message. Oh, attention la tête, attention. Oh. Hans, tu sais pas résister devant un téléphone. Mais qu'est-ce que tu fais? On se met d'abord en route et là tu pourras la rappeler. T'en fais pas. T'auras tout le temps que tu veux pour lui parler. Ça me met mal à l'aise de pas lui répondre. Bonjour, grand-mère. Bonjour, ma chérie. Comment ça va? Papa dit que si c'est important, tu dois laisser un message. Non, mais qu'est-ce que... Robin? Rob? Oh, ça alors? Non, mais t'es folle! C'est pas correct de répéter ce qu'a dit papa et de raccrocher au nez de grand-mère. On aurait dû être parti depuis plus d'une demi-heure. Allô, c'est Milou. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est pas très gentil d'avoir accroché. Je n'apprécie pas que Robin et ton père me fassent ce genre de choses. Bon, et sinon, Milou, dis-moi, est-ce que vous êtes en route? Papa, est-ce qu'on est en route? Qu'est-ce que t'en dis, toi, Milou? Comme si le fait de demander allait nous faire arriver plus vite. Plus vite, pourquoi? Allez, mettez vos ceintures. Ah. Attends, tu vas où j'ai encore? J'ai oublié mes lunettes de soleil. Hors de question que t'ailles les chercher. J'en ai pour une seconde. Là, je m'en vais sans toi. Qu'est-ce que tu regardes? C'est quoi la limite de vitesse? Tu crois pas que t'aurais pu te lever un peu plus tôt ce matin? On aura juste une heure de retard. Juste une heure de retard? Avec mes parents? Ça va, ils ont tout leur temps. Tout doit déjà être prêt sur la table. Et je te rappelle que ma sœur a annulé. Mais nous, on y va au moins. Mon père doit prendre ses médicaments et faire sa sieste. Donc non, on ne peut pas avoir une heure de retard. Je vais leur dire de commencer sans nous, si jamais on tarde trop. Tu n'aurais pas appelé si c'était tes parents? Qu'est-ce que tu veux dire? Que tu te serais arrangé pour que nous partions à l'heure. C'est mesquin. Oui, c'est mesquin. Très. Tu as raison. C'est vrai. Regarde, Milou. Ah. Milou, regarde. Attends, je suis en train de faire quelque chose. Je suis presque arrivée à 100. À mon tour.
Comment je joue? Ça fait déjà 40 minutes que tu joues. Et t'as déjà joué 20 minutes ce matin, tu vois combien ça fait? 40 minutes plus 20 minutes, ça fait une heure. C'est pas vrai. Bah si, c'est vrai. Donne-moi la tablette. Oh! Donne! Non, arrête, c'est moi oui, qui là, joue c'est avec. Mon tour. Rends-la-moi. Non, aïe. Hé, hey, qu'est-ce que vous faites, vous deux? C'est elle, elle m'a tapé. Oui, mais elle a pris la tablette. J'étais presque arrivée à 100. Ça suffit, il y en a assez, je veux plus vous entendre. Je dois me concentrer sur la route. Je veux pas avoir à supporter vos chamailleries. Milou, remets ta ceinture. Et rends-lui sa tablette, tu veux? Mais vous dites qu'on a le droit de jouer une heure par jour à la tablette. Et elle, ça fait une heure. La règle, c'est la Milou, règle. Milou, c'est toi la mère? Non, évidemment. Ah, parce que là, on dirait. Ça, c'est vrai. Oui. C'est à ça que je ressemble. Non, rassure-toi. Rends tout de suite cette tablette à ta sœur, Milou. Allez! Non. Rends-la-moi tout de suite, espèce de demeurée! Non, je veux pas entendre ce genre de choses, Robin. Et ta sœur n'est pas une demeurée, tu entends? Donne! Rends-lui la tablette, Milou. J'avais presque fini. Oui, mais ça faisait J'étais presque arrivée à 100. Les filles, qu'est-ce que j'ai dit? Tu finiras une autre fois. Tu la laisses finir sa partie et ensuite elle te donnera la tablette. Mais c'est faux ce qu'elle dit! Je l'ai même pas eu 20 minutes ce matin! Non, bon, c'est pas la question. Allez, Milou. T'as entendu, maman, tu me la donnes? C'est pas juste. Tu tiens, Gronaz. Tu parles à qui, là? Non, désolé, c'est pas à toi que je disais ça. Papa a dit gros naze, Mais ça va à faire des histoires. Bah, c'est ce qu'il a dit. Casse les oreilles. Moi, j'ai fait des histoires. Oh, arrête, ça commence à bien faire. Désolé, mais là, il l'a Alors vraiment mérité. Je me fais gronder quand je dis Est-ce ça. Est-ce que ça va, Milou? Milou, je t'ai déjà dit d'attacher ta ceinture des centaines de fois. Alors fais-le. Désolé, chérie. Est-ce que ça va? Ça va, chérie. Je t'ai pas fait mal? Voyons, si jamais il freine, on lui rentre dedans à coup sûr. Garde tes distances. Oui, oui. Regardez ça, les filles, vous allez me donner votre avis sur la situation. Qu'est-ce qui est en train de se passer juste devant nous? Première hypothèse, il est en train de téléphoner. Ou d'écrire un texto. Ou d'écrire un texto. Très bien. Deuxième hypothèse, il mange des frites. Oh, la chance. Et il met plein de mayonnaise sur son volant. Exact. Troisième hypothèse... C'est une femme qui est au volant. Ouais. Ah, alors ça, c'est malin. Désolé, c'est elle qui l'a dit. Quatrième hypothèse, c'est un vieux grand-père qui est au volant. Très bien, Milou. Bien vu, bien vu. Un vieux monsieur sénile derrière son volant. Hypothèse numéro 5, il a un truc coincé sous sa pédale. Bravo! Hypothèse numéro 6, il est en train de régler son GPS. Sors! Quel crétin alors! Là, on a failli avoir un accident. Non, t'en fais pas, ma chérie, tout est sous contrôle. Qu'est-ce qu'il fait, cet idiot? Je
derrière lui. Oui. Double-le. Oui, dès que je pourrai. De faire de la provocation. C'est lui qui a commencé. Donc 50 km au-dessus de la limite de vitesse. Et toujours à 20 au-dessus. Allô, Trudy ? Oui, allô, Diana ? Est-ce que tout va bien de votre côté ? Oui, tout va bien. Où êtes-vous ? Sur la route, il y a pas mal de monde. Et alors, vous êtes où exactement ? Non, dehors. Où est-ce qu'on est ? On est où ? Sur l'autoroute. C'est pas une réponse. J'ai pas besoin d'une réponse trop précise, mais... c'est pour savoir dans combien de temps vous pensez arriver. Dans combien de temps on arrive ? À peu près combien de temps ? Je sais pas, moi. En tout cas, plus elle appellera et plus on mettra de temps. Tu veux que je dise ça ? Oui. Oui, vas-y, bonne idée. Dis-lui ça, oui. Bien sûr. Oui ? Trudy, il y a pas mal de circulation, on sait pas encore exactement. D'accord. C'est juste que j'ai préparé une soupe d'avoine et que je voudrais savoir quand la mettre sur le feu. Est-ce que je ferais pas mieux de lui dire de pas nous attendre et de commencer sans nous ? C'est plus sûr avec cette circulation. Non, non. Dis-lui qu'il nous reste une trentaine de minutes de route, mais qu'on doit aussi prendre de l'essence. Hans dit qu'on sera là dans une trentaine de minutes. Ah bon ? Autant ? J'espérais plutôt. Ouais, je suis désolée, Trudy, mais on n'arrivera pas à faire mieux. On se retrouve à l'intérieur. Ok. Vous voulez un reçu ? Oui, s'il vous plaît. Papa, tu peux nous donner des sous pour un sandwich ? Oui, s'il te plaît. Comment ça, un sandwich ? Maman est d'accord ? Elle en veut un aussi. Avant d'être gavée de nourriture pour lapin chez ta mère tout le week-end. Ah ? Et voilà pour vous. Ah, merci. S'il te plaît, papa. S'il te plaît, s'il d'accord, te plaît. D'accord. Merci. 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 Merci, monsieur. Bon. De préférence dans un endroit sombre et peu accessible. Un endroit où les chats et les hommes ne peuvent pas les trouver. Savez-vous qu'il existe certaines espèces de rats qui ne savent pas nager ? C'est vrai, il y en a. Et dans certains groupes, les membres adultes poussent leurs petits devant eux jusqu'à ce qu'ils tombent dans l'eau. Vous savez pourquoi ? Pour pouvoir traverser en les piétinant. Ils leur marchent carrément dessus, pour rejoindre l'autre rive, bien sec et en sécurité, tandis que la plupart des jeunes agonisent dans l'eau, jusqu'à ce qu'ils se noient. Et ça, c'est ce que j'appelle de la cruauté. Je ne sais pas où vous voulez en venir avec cette histoire, mais si vous essayez de faire une quelconque comparaison entre ces animaux et nous, je vous conseillerais vivement d'arrêter. Nous n'avons pas besoin d'entendre ce genre de choses.
À votre avis, quelle est la distance de freinage nécessaire pour arrêter une voiture roulant à plus de 100 km/h ? Bon, ça suffit, nous ne sommes pas intéressés par vos histoires. Allez les filles, on y va. Et quelle est la distance de sécurité qu'il faut garder entre deux véhicules ? Hé, allô ? Vous êtes sourds ou quoi ? Vous allez nous laisser passer, non, écartez-vous ! Hans ! Non, laisse-moi faire, vous allez nous laisser passer. Laissez-nous Hans, passer, je vous calme, dis ! Du calme, du calme ! Et est-ce que par hasard, vous savez ce que signifie une ligne continue ? Et est-ce que par hasard, vous savez expliquer pourquoi certaines personnes s'obstinent à rouler sur la voie de gauche comme s'ils étaient atteints de démence ? Hans, arrête Diana, de répondre, s'il te plaît. Allons-nous-en. Je suis en train de parler à ce monsieur, d'accord ? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, alors ? Que votre père veuille à tout prix me faire dépasser la limite de vitesse pour pouvoir lui-même continuer à rouler beaucoup trop vite sur l'autoroute ? Ce n'est pas à vous de décider à quelle vitesse je dois rouler ! Cela ne vous concerne pas ! Vous croyez ? Cette discussion ne sert à rien. Laissons ce monsieur. Allez, les filles, on s'en va. Allons-nous-en d'ici. Viens, on... Non, je vous rejoins. Attendez-moi dans la voiture. Attendez-moi dans la voiture. Allez, venez. Vous avez fait exprès de freiner. Je vous conseille vivement de me présenter vos excuses. Des excuses ? Pourquoi au juste faudrait-il que je vous présente des excuses ? Afin de reprendre la route en sécurité. Afin de reprendre la route en sécurité. Allez vous faire voir. Vous savez quoi ? Je crois que c'est plutôt vous qui devriez éviter de reprendre la route. Honnêtement, ça débloque là-haut. Je sais pas ce que tu attendais de cet échange. Qu'est-ce que t'avais envie de prouver devant cet homme ? Les filles, vous en faites pas pour ce qui s'est passé, d'accord ? Cet homme a dû rater ses études. Et maintenant qu'il devient vieux, son travail est repris par des jeunes plus talentueux. Chez lui, il ne doit avoir aucune autorité sur sa femme et ses enfants. Alors la seule chose qui lui reste, c'est son extrême arrogance. Vous comprenez maintenant ? Voilà un discours très édifiant. Pourquoi tu réagis comme ça ? Explique-leur alors. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à leur expliquer. Ce type était en colère parce que tu le collais trop. Ça n'a rien à voir avec son boulot ou sa femme. Alors pourquoi il ne s'est pas adressé directement à moi ? Parce qu'il voulait nous dire quelque chose. Et qu'est-ce qu'il voulait vous dire ? Un truc sur les hamburgers. Sur les hamburgers ? Il nous a demandé pourquoi maman nous faisait manger ces cochonneries. Il vous a demandé ça ? Il a dit que maman et toi le regretteraient dans 30 ans quand Robin et moi, on aura attrapé un cancer. Il a dit ça ? C'est vraiment un abruti fini. Maman, qu'est-ce que ça veut dire quand il y a une chose... Je veux dire, quand il y a des choses dont on ne peut pas décider. Qu'est-ce que tu veux dire au juste ? Si ce monsieur ne peut pas nous dire si on risque d'attraper un cancer en mangeant des hamburgers, qui pourrait nous le dire alors ? Attends, tu veux parler des choses dont personne ne peut savoir à l'avance si elles arriveront vraiment ? C'est pas en mangeant un hamburger que t'auras un cancer. Tu viens de le jeter par la fenêtre ? J'hallucine. Robin, non, non !
Ne jette pas ton sandwich. Oh. Non, mais ça va pas. Non, mais enfin. Qu'est-ce que c'est que ces façons? Tu as déjà dit, on arrivera quand on arrivera. Ah. Ok. Tu sais si ta mère voudra aller au concert dont elle a parlé demain? Oh non, pitié, pas un de ces concerts trop nuls. Je déteste ça. Elle t'en a reparlé ou pas? Ça dure combien de temps? Hans! Allô, allô! Hein? Quoi, quoi, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me réponds pas? Je suis sûre que grand-père allumera sa pipe à l'intérieur. Oui, et qu'il se fera sortir de la salle. D'où est-ce qu'il se fera sortir? Non. Moi, ce que je veux savoir, c'est si on va aller ou non au concert dont ta mère nous a parlé. Au concert, dans l'auditorium où mon père s'est fait expulser pour avoir allumé sa pipe, vous vous en souvenez? Bah oui, c'est ce que je viens de dire. Ah, oui. C'est rouge. Hans. Arrête-toi, Hans. Stop, 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 stop! T'as grillé le feu rouge, papa! On a été flashés, là! Mais enfin, mais qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Oui, désolé. Tu veux que je conduise? Non, non, pas la peine. On y est presque, de toute façon. Maman? Oui, Robin. Robin, retourne-toi. Tout de suite. Il est derrière nous. Qui est-ce qui est derrière nous? On dirait le monsieur. Oui, c'est lui. Papa, ça veut dire qu'il nous suit? Non, rassure-toi, ma chérie, personne ne nous suit. Mais si, regarde. Mais non. C'est bien lui. Qu'est-ce qu'il fait là? Tu crois qu'il nous a suivis? Tu l'avais vu? Tu l'avais vu, hein? J'en étais pas sûre. Qu'est-ce que tu fais? J'appelle la police. Ce serait pas un peu prématuré de faire ça? Je m'en fiche. Pose ce téléphone. Pose ce téléphone! Ne vous inquiétez pas, ça va aller.
Redémarre. Je vais d'abord aller voir ce qu'il veut. Je veux pas que tu y ailles, redémarre. Garde ton calme. Non, je voudrais que tu redémarres. Ah oui? Et pour aller où? Chez tes parents, bien sûr. Bah oui, comme ça, il saura où ils habitent. Il a pas besoin de savoir ça. Qu'est-ce qu'il faut faire, alors? Laisse-moi m'en occuper. Je vais régler ça. Hans! Est-ce que vous seriez pas par hasard en train de nous suivre? Je suis plutôt en train de créer des conditions favorables. Favorables? C'est-à-dire? Je vous suis pour vous éviter un détour. Vous évitez d'avoir à dévier un tant soit peu de votre route. En d'autres termes, je minimise votre dérangement. Maintenant, vous allez donc me présenter vos excuses. Je vous écoute. De cette façon, vous pourrez retourner dans votre voiture et nous serons quittes. Non, je pense toujours que c'est pas à moi de présenter des excuses. Pourtant... Écoutez, ça peut durer longtemps comme ça, le « c'est pas moi, c'est vous ». Mais ça sert à rien. Vous voulez des excuses? Vous en aurez pas. Vous pensez vraiment être en droit de juger mes actes ou de juger ce que je fais, mais ça marche pas comme ça dans la vie. Est-ce que ça résonne dans votre tête? Alors qui est en droit de juger vos actes dans ce cas? Si vous ne le faites pas vous-même et que je n'en ai pas le droit. Eh bien, je crois que la police est là pour ça, non? La police? Oui. Faut-il les appeler? Ou madame est-elle déjà en train de le faire? Eh bien, allons-y. Allez-y, appelez. Plus on est de fous, plus on rit. Quoi? Vous croyez peut-être allez-y. Que c'est drôle? Moi, je vais pas les appeler de toute façon, alors faites-le. Vous êtes sûr? Vous êtes vraiment sûr de vouloir que j'appelle la police? Vous pourriez le faire vous-même. Oui, allez-y, je vous en prie. J'ai juste un problème. Ça, je confirme, un sérieux même. Regardez, il est HS. Essayez-le. Non, non. Je vous crois. Bon. Ok. Je vous redonne ce conseil pour la dernière fois. Présentez-moi vos excuses, plutôt que de me faire appeler la police. Apparemment, vous avez déjà eu des problèmes avec eux, puisque vous osez pas les appeler. Appelez-les. Allez-y. Qu'est-ce que vous attendez? Allez-y. Oh mon Dieu! Lâchez-moi! Vous osez pas, hein? Allez-y! Appelez-les, alors. Et rendez-moi mon téléphone. Rendez-moi mon... Oh non. Vous allez me rendre mon téléphone, oui? Rendez-le-moi tout de suite! Vous deux, vous restez dans la voiture. Hé, lâchez-le! Lâchez-le tout de suite! Lâchez-le! Lâchez-le! Non mais ça va pas! Lâchez-le! Ça va?
Oui, oui. Il a mon téléphone. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut quoi? Des excuses? Hans. Ah, dis-lui ce qu'il veut entendre, excuse-toi. Non. Fais-le, voyons. Personne ne le saura, je te promets que je dirai rien. Mais il s'agit pas de ça, je veux pas. Non. Mais qu'est-ce que ça peut faire, bon sang? Qu'est-ce que tu essayes de prouver? Je vous ai dit de rester dans la voiture. D'accord. D'accord. Je vais aller m'excuser. Dans la voiture. Je suis désolé. Le temps des excuses est derrière nous. Je viens de vous présenter des excuses, alors maintenant je veux mon téléphone. Baissez cette vitre! Baissez cette vitre! Tant pis, laisse-le! Attends! Laisse ce type! Ouvrez-moi cette porte tout de suite, nom de Dieu! Ouvrez-moi! On appelle la police! Vous allez m'ouvrir! Il faut vite rincer. Par là, par là. Il y a de l'eau. Venez. C'est froid, c'est froid. Ça va aller. Ça va aller, ma chérie. Il arrive. Il vient par ici. Revenez par ici. Vous restez ensemble. Revenez. Il est toujours là-bas. Revenez.
Il est toujours là-bas. Vous pouvez revenir. Vous pouvez revenir. Vite. Allez, venez. Viens, viens. À la voiture, vite, vite! À la voiture! Venez! Démarre! Oui! Démarre! Ça y est! Il en est! Il en est! Droite, à gauche! À gauche! Il en est! Lève-toi! Lève-toi! Ça.
demi-tour. Hors de question. C'est trop tard maintenant. Rappelle les urgences. Oui. Opérateur des urgences, quel service demandez-vous? Oui, allô, la police? Oui, la police. Non mais vous vous croyez où, espèce de dingo? Sortez de la voiture. Allô? Sortez de la voiture. Vous allez sortir, vous y allez. Il portait une combinaison blanche, comme pour faire du désherbage ou plutôt des traitements anti-parasites ou quelque chose comme ça. Il nous a raconté toute une histoire sur les rats qui ne savent pas nager. Mais ma femme a relevé sa plaque d'immatriculation. Elle l'a écrite là-dessus. Vous arrivez à lire quelque chose ? Je peux demander à ma femme. Mais explique-moi ce qui se passe. On vous expliquera plus tard. Je voulais juste vous prévenir qu'on sera pas là avant un moment. Ça pourrait bien être son dernier anniversaire. Je sais. Eh bien, c'est comme ça. Hans à l'appareil. Où êtes-vous? Est-ce qu'il serait possible de localiser avant de bloquer mon téléphone? Ça dépend. De quoi? De votre téléphone et de votre opérateur aussi. Et nous ne pouvons pas le faire si facilement. Il nous faut des autorisations. Tiens. Merci. Voilà. Attendez. Merci. Ça risque pas de prendre feu, par exemple. Et qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Que je m'arrête? T'arrêtes pas, s'il te plaît, papa. D'accord, calmez-vous. Ce type doit certainement être déjà rentré chez lui à l'heure qu'il est. Il doit pas être au bord de la route à nous attendre.
que... Regarde. C'est lui ? On dirait bien. Mais qu'est-ce qu'il fabrique ? Arrête-toi, papa. Oui. Ces abrutis le savent qu'il s'agit d'une camionnette blanche. Alors pourquoi s'arrêter ? Faudrait plutôt rester juste derrière eux. Qu'est-ce que tu fais ? Avance ! Oui. Il faut pas paniquer. Tout est rentré dans l'ordre. Quand est-ce que je dois me relever ? Comme d'habitude. Quand tu seras réveillé, sinon t'en fais pas, je viendrai te chercher. Allonge-toi. Qui est-ce qui doit venir ? Hans et Diana. Et les enfants. Ah. Hans ? Ton fils. Et les autres personnes dont tu as parlé, on les connaît ? Oui. Je te mets la couverture. Quoi ? Je te mets la couverture, sinon tu vas avoir froid. J'ai pas froid. Comme ça, ça va ? Oui, ça va. Je dois m'habiller ? Non, allonge-toi et dors un peu. Je viendrai te chercher dans une heure. Qui est-ce qui doit venir ? À tout à l'heure. Bonjour, madame. Je suis à la recherche de Hans. Est-ce qu'il vit ici ? C'est mon fils, mais il ne vit pas ici. J'ai trouvé son téléphone sur une aire de stationnement dans les bois. J'ai un peu regardé dedans et c'est comme ça que j'ai trouvé vos coordonnées. Ce sont vos petites filles ? C'est bien elles. J'en ai encore une autre. Splendide, splendide. Eh bien, mon fils va arriver d'une minute à l'autre. Il sera content de retrouver son portable. Je vais donc le prendre et je lui donnerai. C'est gentil, je lui donnerai directement. Ça vous évitera d'attendre. Je trouve que ça ne serait pas correct. Qu'est-ce qui vous ne paraît pas être correct ? Ce qui serait correct, ce serait que je lui rende son téléphone moi-même, puisque c'est moi qui l'ai trouvé. Désolée, je ne comprends pas très bien votre raisonnement. Avez-vous l'eau courante ? Bien sûr que j'ai l'eau courante, tout le monde a ça de nos jours. Oh. Oh mon Dieu ! Je dois rincer le plus vite possible. Avez-vous un robinet extérieur ou un tuyau ? Vous devriez surtout voir un docteur ! Non, je dois d'abord rincer. C'est ça qu'il faut faire, ça brûle. D'accord, venez à l'intérieur. Mais ne faisons pas de bruit, mon mari fait la sieste. Je vais téléphoner à ma belle-fille et je reviens avec une serviette pour votre jambe. Avez-vous élevé Hans ? Quelle question ? Que voulez-vous dire ? Eh bien, évidemment, je veux dire, c'est ce que font les parents, ils élèvent leurs enfants. Alors, les parents sont donc responsables de l'éducation de leurs enfants, d'après vous ? Eh bien, oui. Les parents sont-ils également responsables du comportement de leurs enfants ? Pourquoi me demandez-vous ce genre de choses ? Pensez-vous qu'ils en sont responsables ? Bien sûr. Bon, je dois passer mon coup de fil. Et qui est responsable des enfants une fois qu'ils deviennent indépendants et qu'ils vivent leur propre vie ?
Eh bien, ça me paraît évident, ils sont responsables d'eux-mêmes. Et si un fils ne veut pas assumer la responsabilité de ses actes, ses parents doivent-ils l'assumer pour lui ? Allez. Je crois que ça suffit comme ça. Et vous devriez partir maintenant. Ou serait-ce à quelqu'un d'autre de le faire ? Allez-vous-en ! Pourquoi refusez-vous de me donner une réponse honnête alors que vous savez pertinemment que vous êtes responsable de ce que fait votre fils ? Si vous ne partez pas tout de suite, j'appelle la police. Ça suffit maintenant ! Allez-vous-en ! Ça y est, vous vous comportez comme votre fils maintenant. Job ! Appelle la police ! La police ! À l'aide ! À l'aide ! Job est-il le père ? Est-ce que vous étiez consentante pour que Job vous fasse un enfant tel que Hans ? Vous savez quoi ? On va aller en parler directement avec votre mari. Lâchez ça ! Vous ne faites que rendre les choses encore plus difficiles pour tout le monde, madame. Job ! Ferme la chambre à double tour ! Ferme la chambre ! Ferme la chambre ! Tourne la clé et enferme-toi ! Oh, zut ! Laissez mon mari tranquille, espèce de stragler ! Qui est cet homme ? Je ne peux rien faire pour vous. C'est donc là que vous avez conçu votre fils si mal élevé. C'est ici. C'est cette maison. Mais je me disais que... qu'on pourrait se quitter là. Ce serait mieux si ma mère ne vous voyait pas. Pourquoi nous avoir fait venir alors ? Pour sécuriser le trajet. D'ailleurs, merci beaucoup de nous avoir accompagnés jusqu'ici. Tu leur as dit de s'en aller ? Les filles, promettez-moi de ne rien dire à grand-mère. Hans. Rien du tout sur cet homme, ni sur ce qui s'est passé. Rien sur l'individu, rien sur sa camionnette, rien sur son pulvérisateur de poison. Et une autre chose à ne surtout pas lui dire, c'est qu'il a mon téléphone, d'accord ? Si jamais grand-mère pose des questions à ce sujet, on n'aura qu'à lui dire que je me le suis fait voler juste avant de venir, d'accord ? Hans, non, ça me plaît pas du tout. Pourquoi ? Tu peux pas nous demander de faire comme si de rien n'était devant tes parents après un tel événement. La moindre contrariété peut provoquer de l'arythmie cardiaque à ma mère. Tu le sais très bien. C'est ça que tu veux. Tu oses me demander si c'est ça que je veux ? Bien sûr que non, voyons. Alors qu'est-ce que tu suggères à la place ? Je pense qu'on ferait bien d'aller à l'hôtel.
Comment ça? Tu m'as très bien entendu. En tout premier, tu voulais aller le plus vite possible chez mes parents. Et maintenant qu'on est arrivé, tu décides qu'il faut plus y aller. Désolé, mais c'est trop. Les filles, l'homme à la camionnette n'a aucune idée de l'endroit où nous allons passer la nuit. Alors il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Très bien, va garer la voiture. Sinon, on va rater le dîner et on va encore manger du fast-food. Tu vas sonner, Milou? Ils sont peut-être encore en train de dormir. Sonne encore. Grand-mère, t'es là? Attendez ici. Maman? Papa, on est là. Grand-mère? Grand-mère, on est là. Maman, on est arrivé. Entrez. T'as vu quelqu'un? Non, ils doivent sans doute encore faire la sieste. Quelqu'un s'est réveillé? Allez dire à grand-mère qu'on est là. Grand-mère? Grand-mère, t'es là? Grand-mère, t'es réveillée? Tu vois quelque chose?
Grand-mère ? Milou, c'est toi ? Milou, va chercher ton père, le plus vite possible. Maman ! Maman ! Maman ! Maman ! Maman ! Qu'est-ce qu'il y a ? Grand-mère est enfermée ! Elle nous a dit d'appeler papa ! Comment ça, enfermée ? Dans quelle pièce ? Dans la salle de bain. Hans ! Comment ça, enfermés ? Ils sont enfermés tout seuls, ou ils ont...
ce que t'étais. Où est-ce qu'il est? Vous allez bien? Et toi, est-ce que ça va? Moi? Hé, hey, Diana! Quoi? Diana! Est-ce qu'elle va bien? Va chez les voisins en attendant que la police arrive. Je vais vous rejoindre. Non, on a barricadé la porte de la chambre. Et moi alors? Hans, ne viens pas! Va chez les voisins! La police va arriver! Va chez les voisins! Oh là là, dans quel état tu es? Qu'est-ce qu'il y a? Il est là? Hans! Non, ne fais pas ça! Tu y es presque! Maman! Maman! Viens, tu y es! Ça y est! Je te tire! Maman! Oh, Hans! Je te tire, je te tire! Ah, il me tire! Aide-moi, rends-moi ce temps! Aide-moi! Allez! C'est qui? Il faut le mettre tout de suite sous la douche. Non, non, non. Non, non. La tête. Non. Tu dois aller sous la douche. Non. Je veux pas aller prendre de douche. Hein? Je veux pas prendre de douche. Sous la douche. Je veux pas prendre de douche. À la douche, debout. Et non, non. Et viens. Enlève-toi. Ah, ah, ça brûle là! Ah, 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 ah. Voilà les filles. Vous pouvez monter dans la camionnette et attendre ici, d'accord? On a fait le tour de la maison, on n'a rien trouvé. Est-ce que vous voyez quelque chose de suspect dehors? Non. Les gens qui sont là sont des voisins. 2402 négatif. Allez inspecter l'arrière-cour. Les collègues demandent s'il faut aller jusqu'à la forêt. S'il y est peut-être réfugié. 2601 terminé. Où est maman? Je vais aller la chercher. Installez-vous tranquillement. Je vais revenir avec elle, d'accord? Une voiture est en route. Elle sera là d'ici quelques minutes. 2403, terminé. Message bien reçu, 2403. Nous attendons le véhicule. Ce n'est pas de votre faute, tout ça. C'est celle de votre papa et de votre maman.
2601. Rien dans le jardin. Deux des collègues sont partis dans la forêt. Bien reçu. Ça va, mes chéris? Mais... faut pas vous inquiéter, ce type est parti. Il reviendra pas, c'est fini maintenant. Pas droit à un bisou? Je devrais déjà être au bureau. Ah, oui. Robin a foot à 5 heures. Je sais, je sais. Tu iras la chercher, hein. On fait pas. Bisous. Ok. Ciao. Ciao. Robin, Milou, allez, c'est l'heure d'aller à l'école. Je peux y aller toute seule. Ça fait pas cool. C'est encore moi qui décide, ok? À tout à l'heure, papa. Salut. Eh, attendez-moi. Traversez pas. Stop, c'est rouge. Stop, je vous ai dit. Non.